Aujourd'hui, on est avec Elisa. Le café est en train de se faire. On va tenter le palace. Peak Palace, 2974 mètres, plus haut sommet d'Aquitaine, dans le massif du Balaïtous. Les premiers mètres, ils sont secs, Elisa. Pas que les premiers mètres, à monter après encore jusqu'au refuge. Et après, surprise. Avec les sacs bivouac, et après, surprise. Elisa, elle est très vite, ça va? Ça va, ça va. Un petit rythme, mais ça va. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, exactement. Ils disent les Espagnols. Des pourquoi, pourquoi? Ouais, on sait rien de ce que disent les Espagnols. Salut ma pote. T'es belle. Vaches de partout. Il y a un poulet là. T'as vu? Ah ouais. Une petite pause. Une petite pause, c'est une pause. Ça fait du bien. Non. Donc, il y a l'air Haribo. Rien d'autre. Bravo. C'est bon. Il y a un berger là-bas avec sa brebis, je sais pas ce qu'il fait. Il y a d'autres blessés. Sans doute. Enfin, les premiers rayons de soleil. Ah, ça chauffe, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Il faisait pas froid, hein? Ouais, c'est vrai. Entre toi qui dors à poil et moi qui dors tout habillé aussi. Dors pas à poil, dors à caleçon. Oui, bon, moi c'est pas ça poil, hein. Tu tires. Saucisson qui dépasse. On va dire c'est le seul truc qu'il faudrait dans un sac, hein, le minimum. Avec de l'eau. Eh ben mon petit. Commence à faire chaud. Là devant nous, ouais. Ah, c'est quoi après? C'est le col, le col et le lac, le col d'Arius. Ouais, voilà, je sais pas, sans doute. Ouais. Et le lac qui doit être pas bien loin. Ouais, alors, et après le lac, le refuge. Ouais, après, et après, je sais pas, on cache les affaires de bivouac et on essaye de faire le sommet. Ouais, on verra. Je sais pas, ouais, je sais pas combien de temps il est le sommet du refuge. Ouais, on verra. Il est bien, il est 10h du matin, on verra. Ouais, ok, ça marche. Ça marche.
Nickel. Direction maintenant le passage d'Orteil. Vertigineux pour certains, tranquille pour d'autres. Question de point de vue et d'expérience. Le sac trop petit. Hein. Le sac trop petit ? On va y prendre le 50 litres. On a acheté un autre un peu entre les deux. Bon, jusque là ça va ? Bah, j'ai tout mis en dehors du sac, hein. Ah, mais la marche. Ah, la marche. Ouais. Ah, ça va ? Ça va ? Toi ? Bon, nickel. Moi aussi. Bon, nickel. En reprenant tranquillement la marche. Après cette petite pause de 5 minutes. Le passage d'Orteil. Ça passe bien, Lisa, hein? Très bien, oui. Très bien. Fatigué. Ouais, fatigue. Surtout quand il te manque des heures de sommeil au compteur. Ça va le faire. Passage d'Orteil. Tranquille. On a notre palace en face. Nickel. Celui qu'on a échoué où il y a 2 ans. Ouais. Voilà, 2 ans après on y revient. Nickel. C'est vrai que je vais te tromper, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi qu'est-ce qu'on dit ? Quand tu dis que je me trompe et que je me trompe pas. T'as raison pour une fois. Donc là on a dépassé le refuge, maintenant on va stocker les affaires à la bifurcation entre le chemin pour aller à l'arrêt des géodésiens et la cheminée le dormeur. Donc on va se poser tranquillement et on va cacher les affaires, puis on va faire la boucle, puis on va reprendre les affaires de bivouac. Les affaires sont cachées là, mais chut, faut pas le dire. Bon, mais voilà, on a terminé la pause, on a repris un peu. Donc là on est à la bifurcation en fait, plus ou moins ça. Donc c'est le lac du palace. Il va se rafraîchir un peu là. C'est vrai qu'il fait chaud. Donc nous c'est par là qu'on va. Et la descente se fera par là, je sais pas où. On verra. Ça rafraîchit ? Ça commence mal. Je sais pas. Je sais pas. Allez mon cœur. Ouh là 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 là. C'est assez bien carné quand même. Les débuts quand même. Ils sont un peu relous. Et là ça va. Un peu de plat. Ça fait pas de mal. Il y a plein de lacs, un petit lac, super agréable. Ouais. C'est vraiment relou, il n'y a que des cailloux. Elle est en haut la carte. Elle est en haut la carte. Ouais. Ouais. On arrive bientôt au pied de l'arête.
c'est hard. Ouais. Wow. Oh, c'est pire que le pic du Midi d'Ossau. Mon Dieu. En fait, Mariano, il prend à gauche là. Et on va passer par la tour. Je pense que ça va plus vite. Je vais faire un détour là-dedans. On va passer par là. Ça marche. Nickel. En fait, on contourne la brèche des géodésiens. Je vais faire une connerie. Oh putain, non, passe pas par là, madame. Bon, ça bouge de partout. Ouais. Ok, c'est bien, mon cœur. C'est bien, c'est bien. Allez, montre-nous le chemin. Ouf. Alors là, tout droit. Ouais. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà, exactement. Bien vu, bien vu. C'est beau, c'est beau. C'est ça qu'on veut voir. Je pense que par là c'est plus intéressant quand même. L'escalade, ouais. Parce que là, bon, c'est. Là, c'est plus sympathique. Ça me tarde quand même d'être à ce sommet. Hein. Putain, tu m'étonnes. Oh là là. On est rien en pleine face. Au final, je pense qu'on a gagné peut-être 20-30 minutes. Pensons par là. Là, je crois que les derniers mètres ils font mal au cerveau. Pas qu'au cerveau. Hein. Tu viens, collègue ? Ouais, ça fait du bien, non ? Là, c'est pas, je pense, la plus grosse difficulté, là. Bien joué. Partie d'où ce matin? Du parking. Et Haut-de-Sac? Ouais. Toi aussi? Non, non, on a dormi là. À Rémoulite. Ok, ok. Cool. Moi je fais une vidéo YouTube. Je fais une vidéo sur YouTube. Ouais, tu seras ouais. Dedans. Ça marche. Ouais. Ça semble passer par là. Là c'est sûr, ça passe. C'est un peu du style de ça. Tu contournes. Il est sympa ce passage, t'as vu? Ouais.
bien savoir où mettre les pieds par contre. Et les miens. C'est par erreur, dans le brouillard, qu'a été réalisée la première ascension du Peak Palace en 1825 par les officiers géodésiens Pétier et Ossard, qui étaient partis pour faire l'ascension du Balaïdous. Il est là le sommet! Oh putain de merde! Oh enfer! Celui-là on est parti le chercher quand même! Oh putain c'est clair! Pire que le pic du midi celui-là! Le saut! Le saut! Donner tant de fil à retordre. On l'a eu à 4h de l'après-midi, mais on l'a eu. Fatiguée, Lisa, elle est fatiguée. C'est bien, mon cœur. C'est bien. Là, on l'a eu. Félicitations, mon amour. T'as géré, hein, comme d'hab. Il se mérite, cet enfoiré, quoi. Et surtout comme ça, et d'une traite depuis le parking, faut y aller. Maintenant la descente. Et puis le petit bivouac tranquille, tant mérité. Maintenant on va descendre par la cheminée dormeur. Voilà, par là, tout droit. Donc c'est par là. Là il y a une cairne. Alors comment ça passe? Et puis si vous n'avez pas de vidéo du bivouac ce soir, c'est qu'on est mort. Qu'on est à l'hosto. Voilà. Quoi. Donc on vous fera un petit retour sur comment ça descend. Il y a un mec, un français, il m'a dit que ça descendait, c'était en cotation 4. Il y a un espagnol, il m'a dit cotation 2. On va voir. qui a raison, qui a tort. Allez, bisous. Pour l'instant, ça va? Ouais, bon. C'est pas la descente la plus facile que j'ai faite. Eh, c'est une descente vraiment casse-couille. C'est kerné, pour l'instant, c'est kerné. Bon. C'est déjà un bon point. Donc là, on est au pied de la cheminée Le Dormeur. Enfin, au pied. À la tête. Et voilà, c'est abrupt. Je pense que la montée, pour l'instant, ça passe tranquille. Mais il faut voir la descente. Bon, on vous dit ça. Là déjà, il y a un anneau. Pour le rappel. Non, il y a des trailers sur topo. Il faut pas descendre là. Il faut descendre par là. Et en plus, il y a une lucarne. Donc, normalement, on peut pas se tromper. Impossible de se tromper. Donc là, il y a la croix. Là, il y a un spit. Voilà, encore un troisième. Troisième. Quelle heure il est? 20h30. Il est 20h30. Voilà. On arrive ici à 20h à peu près. Ouais, le temps de tout préparer. Ravitailler en eau. Celle-là, elle se mérite. Elle se mérite, je te le dis. Elle est là, le petit bivouac. Tranquille. Petit saucisson. Petit saucisson, tu vois. Je voulais parler en haut, les lingettes. Alors, les gars, ceux qui bivouacent. Bivouac, ça les gars, laisse que dalle, et avec ça tu peux te laver, tranquille, ils sont bons en plus.
Allez les gars, à la prochaine. Thank you.